Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est les animaux de Nono. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous présenter mes 6 cochons d'Inde. Ce sera une vidéo où je vais vous donner des informations sur eux pour que vous puissiez mieux les connaître. J'espère vraiment que ce concept de vidéo va vous plaire. En tout cas, je vous laisse avec la suite. Nous allons commencer les présentations avec la petite frimousse qui est arrivée à la maison le 17 janvier 2020. Elle serait née aux alentours de novembre 2019, donc elle aurait environ 1 an et demi. Elle pèse 1,33 kg et c'est la petite cochon d'Inde de mon petit frère Jolan. C'est une petite cochon d'Inde douce, affectueuse et très calme qui s'entend très bien avec les autres. C'est une petite cochon d'Inde qui n'a pas de race spéciale, elle est croisée. Elle est tricolore comme vous pouvez le voir. Elle est rousse, blanche et noire. Donc c'est vraiment une petite cochon d'Inde adorable et qui s'entend vraiment bien avec tout le monde. Voilà pour la petite frimousse. Nous allons continuer avec la petite myrtille qui est arrivée à la maison en 2016, donc elle va avoir environ 5 ans. C'est une petite cochon d'Inde qui pèse 675 grammes, donc elle est toute petite, mais pourtant elle mange énormément. C'est une petite cochon d'Inde qui est très curieuse, câline et qui adore courir dans tous les sens et passer par-dessus des obstacles. C'est une petite cochon d'Inde qui est aussi très intelligente car elle apprend très facilement les tours et les retient vraiment bien. Elle est de race Teddy US. Elle s'entend très bien avec les autres et c'est la petite cochon d'Inde de ma maman. Nous allons continuer les présentations avec le petit Pimousse qui est arrivé à la maison en 2016. Il est né le 10 mars 2016, donc il a eu 5 ans. C'est le deuxième petit cochon d'Inde de ma maman. C'est un cochon d'Inde très gourmand, curieux, doux, qui s'entend très bien avec les autres et surtout avec Myrtille. C'est un petit cochon d'Inde qui peut être peureux mais en même temps très attachant. Il est de race alpaga. Comme vous pouvez le voir, ses petits poils ressemblent à ceux d'un mouton. Il est des mêmes couleurs que Frimousse, il est blanc, roux et noir. Voilà pour le petit Pimousse. Nous allons continuer avec la petite Fluffy qui est arrivée à la maison le 28 août 2020. Elle serait donc née aux alentours de juin 2020. Elle va donc avoir 1 an cette année. C'est une petite cochon d'Inde qui pèse 868 grammes. Elle adore manger et surtout boire. C'est une petite cochon d'Inde aussi de race rosette. Comme vous pouvez le voir, elle a plein de petits épis. Elle est de couleur noire et rousse. C'est une petite cochon d'Inde qui a un sacré caractère, elle a un petit peu de mal à s'entendre avec les autres et se laisser caresser. Mis à part ça, elle est vraiment adorable. Nous allons continuer avec la petite Rosette qui est arrivée à la maison le 17 janvier 2020. Elle serait née aux alentours de novembre 2019, donc en effet, elle est arrivée le même jour que Frimousse, car nous avons été les chercher dans le même élevage, donc elle serait sûrement sœur. Elle va donc avoir 2 ans. C'est une petite cochon d'Inde qui pèse environ 1 kg. Elle est très calme, très douce, gourmande, affectueuse. Elle s'entend très très bien avec les autres. C'est vraiment une petite cochon d'Inde qui est adorable. Et pour terminer, je vais vous présenter ma petite Blackie. C'est la première petite cochon d'Inde que j'ai adoptée. Elle est arrivée à la maison aux alentours d'août 2018. Sa date de naissance est le 18 juin 2018. C'est une petite cochon d'Inde qui est très gentille, très douce, assez affectueuse même si elle peut avoir son petit caractère. Elle pèse 810 grammes, donc c'est une bonne petite mémère qui adore manger.
Elle s'entend très bien avec les autres, principalement avec Myrtille et Pimous. Donc voilà pour Blackie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous.